Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Last Spell. On est toujours en live et on dit bienvenue à Glenwald, le petit bastion dans la forêt. Donc une forme bizarre, hein. Et pas mal d'arbres qui vont nous faire chier. Il y a des arbres morts qu'on peut péter, des arbres pas morts qui sont indestructibles. Et je pense que si je prends n'importe qui... Ouais, non, au niveau des visions ça risque d'être fun. Ok, très bien. Et merci Canton, et oui, encore une victoire. Ça s'est bien passé, franchement, je suis content de mes builds. On a bien réussi à les gérer. On va regarder du coup nos personnages. Alors, ici, on a quelqu'un qui commence avec une arbalète. On commence avec une arbalète. Ah, c'est vrai qu'on commençait avec des consommables en plus. Ah, c'est cool. On commence avec deux objets verts directs. Et un parchemin de boule de feu. Alors, toi, t'es un clown. 3% de dégâts de tous les types, mais par contre, la régène de vie. C'est un peu la merde. 20% de fiabilité, pas mal, et bonne visée. Plus de bonus de dégâts à distance. Ok, donc on va vraiment être plutôt sur un distance, il faut pas qu'il prenne de coups. Donc l'arbalète est plutôt pertinente. 109% de dégâts à distance, c'est pas si mal. Ok, donc on a Arthur. Alors n'hésitez pas dans le chat si vous voulez avoir des petits personnages. On a Amouche, elle est mineuse. Plus 1 de mouvement, encore moins de régène de vie. 6% de dégâts magiques et moins 6% de critique. Ok. Et elle commence avec un pantalon vert, un tome des secrets et une armure lourde. Très très bien. Et on a Caspar. Oh Caspar, moi cette moustache, il va être pour toi Zikino, je suis sûr. Il commence avec une lance, une tunique usée, ok, des grèves usées, ouais, ok. 24% d'opportunisme, 30% d'isolation, moins 10% de dégâts. Ouais, alors c'est pas ouf pour un corps à corps. Moins 1 de mouvement, c'est pas ouf pour un corps à corps. Et simplet. Ok, ça c'est pas ouf pour personne. Peut-être que lui, il faudra plutôt qu'on lui mette un truc à distance. Mais Amouche, elle avait un bonus de dégâts magiques, ouais. Donc du coup, ça vaut pas le coup. Au niveau des talents... Amouche, elle a fatalité. La coagulation, l'armure organique. D'accord, on va débloquer le pistolet Zikino avec essence impure. Je trouvais plus le mot. Bon, visiblement, un mouche serait notre tank. Tank magique, du coup. Elle a un petit malus de régène de vie, mais franchement c'est acceptable. Elle a la fatalité. Elle a pas le vampirisme par contre. Mais elle a pas la garde épineuse non plus. Ah. Arthur il a la garde épineuse, mais lui il y a pas moyen qu'il aille au corps à corps. Ouais, on n'a pas chopé des super builds là. Bon, du coup, je te donne Caspar, Zikino. Hop là. Ah, c'était quoi ça? Ah, on peut faire des codes de personnages, excellent. J'ai même pas fait gaffe. On peut faire une chocho qui sera toujours la même, ouais. Exactement. Tu veux Amouche, chocho? Bah c'est plutôt une magicienne. Sagace. T'as l'impression que ça ressemble à Chocho, Sagace? Sagace ça ressemble pas à Chocho, mais en même temps Simplet ça ressemble pas à Zikino non plus hein. Bah non, ça ne pas. Sinon on a un clown. Clown, expert, bonne visée. Si tu le transformes en madame, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ce qu'on veut hein. Ah c'est chaud ça. Mineuse dans quel sens? Dans son travail je pense plutôt. Encore que.
Plus 1 de mouvement et moins 10 de vie, ça pourrait être une enfant. Hein. Je suis d'accord que c'est pas très clair. Bon, du coup, on n'a pas de vrai tank. Merci. Je vais pas mourir, chouchou. Je sais pas à quoi m'attendre sur cette première nuit, donc on verra. Mais bon, alors, mis à part Zikino, il faudra effectivement plutôt un pistolet sans doute. On va faire la première nuit avec ce qu'on a. Hein. Bien. Alors, faut qu'on se déploie. Ça vient que d'un seul côté. Par contre, on a direct 3 crânes. Ils sont assez proches quand même. Donc, on a 0 tank. On va donc devoir se placer à peu près en sécurité. Là, ça bloque pas nos lignes de vue. Ah si, putain, la bûche, elle bloque nos lignes de vue. Oh l'enfer. La souche, elle bloque pas nos lignes de vue. Oh là, mais les trucs pour toucher. On doit pouvoir se mettre ici. Ah oui, mais on peut pas toucher plus loin parce que c'est la brume aussi là. 1, 2, 3, 4, 5, ouais, donc faut qu'on se mette plus loin. Ça va pas être simple cette histoire. On a le saute-mouton toujours? Non, l'enjambement. Si, je l'ai pris le saute-mouton. Oui, je l'ai pris. On a le saute-mouton. Donc, La régène, les enfants en ont aussi. Bah ça pourrait montrer, tu vois, qu'il est un peu moins en forme parce que c'est un enfant quoi. Mais ça peut aussi être qu'elle a l'habitude d'être dans les mines et donc d'être un peu toussée quoi. Mais cela dit, je vois pas trop le trip avec avec le mouvement du coup. Si tu vois, ça fait penser à plutôt quelqu'un d'agile et un peu moins costaud, donc un enfant quoi. Je crois qu'il y en avait un qui était pas du tout bien par contre. Ah t'as, je vais pas regarder, mais ils ont quoi toi? T'as une potion de force, ok. Toi t'as ton parchemin de boule de feu, et toi t'as un parchemin de missile magique, c'est pas mal. Ok. Pantalon de fourrure, tunique usée. C'est quoi ce bouton de changement de set? C'est pour bouger entre les armes. Comme tab. Je dis tab en général, mais... 1, 2, non, là ils vont pas apparaître. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en sécurité. Ok, bah go. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on nous propose? Alors, le carreau explosif. Ok, pas mal. On a le carreau perforant. Lui, il fait une ligne. Ok. Carreau lourd, ça annule la garde. Fait le taf quand même. On va aller gérer avec Chopiti par là. Putain, le plus 1 de points d'action, il va falloir que je m'habitue, mais il est cool. Alors, à mouche. Il y en a un qui se planque là, je le vois derrière ton arbre. Par contre, du coup, on n'a pas vraiment de trucs intéressants à faire, donc on va peut-être pas cramer nos points d'action. Ici, la lance c'est cher, hein. C'est 2 points d'action et on fait des attaques en ligne. Si je fais ça, je vais être vraiment à poil par contre. Donc je crois qu'il va falloir qu'on attende avec Zikino de voir les ennemis arriver. Voilà, c'est un peu plus... Oh, on a déjà un gros tas. Mais ici, je peux envoyer un gros carreau. Et peut-être aller se préparer à encaisser là-bas. Ah là là.
commence déjà avec les oui, tout ça, on peut pas en tuer. Il me reste 2 points de mouvement. C'est un peu tendu du cul si je vais par là quand même. On peut caler une boule de feu. Histoire d'essayer de mettre un petit peu Zikino en sécurité. Alors, sachant qu'il lui reste la rafale de coups. Ah, y'en a un qui prend quel âge, j'avais pas vu. Ouais. Reculez là, mon gars. Espérer qu'ils vont pas venir te chercher trop. Ça va. Ah non, ils tapent sur nos tas de bûches. Oh là là, c'est déjà parti les 1 PV qui survivent quoi, sérieusement. Allez, allume. Ah zut, tu peux plus. Ok. Non, là tu vas être en danger, on verra après. Alors. Là normalement, Zikino il devrait pouvoir se faire plaisir avec des attaques comme ça, ou alors éventuellement tuer personne, c'est une possibilité aussi. Hein. Non, tu vas plutôt rester pas trop loin, et pour ça il faudra que tu ailles ici. Allô là? Putain, il me reste 2 PV à l'autre con. Là. Et lui là, elle là, elle est planquée derrière un arbre, un tas de bûches. On peut pas la toucher. Donc ouais, ça va être folklore les, je pense les. Ligne de vue. Alors là, on peut se faire plaisir avec un truc comme ça. Ah non, il faut qu'on soit plus loin que ça. Pourquoi tu peux pas tirer? Ah mais non, mais il y a lui qui me bloque la vue. Il y a ce connard qui bloque la vue. Barre-toi. Barre-toi! Voilà. Ça perce l'armure ça. Bon à savoir. Allez, tu peux tuer. Parfait. Efficace Chobiti avec sa petite arbalète, ça me changeait qu'elle soit pas mage. Ça, non, on a cramé beaucoup trop de mana là, ça vaut pas la peine d'en cramer plus. Puis on va se prendre une attaque, ça en mettra, voilà. Oh, attends. Il va falloir augmenter la précision de Zikino. Oh, mais y'en a un qui est en train de se
disparu là. Mais oh. Ah, t'es sérieux? Il y a 69 d'armure, hein. Un peu tanky. Un point d'action, on va te mettre un petit peu de garde. Voilà! La bouche de tank. Pas peur. Ok, ça passe. D'ailleurs, j'ai pas regardé, on a combien de nuits à tenir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nuits. Ok. Et on va pouvoir débloquer les pistolets. Alors après faut qu'on en ait. Hein. À quoi te servent les essences impures? Je me nourris. Je me délecte. Je dévore. Ce qui est inutile pour un simple humain comme toi est un nectar sur mes lèvres. Alors, le pistolet. Pistolet. Ça sera du pistolet de base, hein, mais du pistolet. Et donc du coup, on commence à travailler sur le téléportail. Pour l'instant, non. Zekino, je peux pas embaucher de nouveau magicien. Je crois qu'on le débloque. Ça se débloque quand tu perds, en fait, il me semble. Quand ton cercle prend trop de dégâts, un truc du style. Oh. Non, je le vois pas, mais il me semble que ça se débloque quand on prend trop de dégâts ou peut-être quand on perd. Ça te donne une chance de plus de tenir. Mais pour l'instant, non, on en a que, on en a qu'un. Alors, au niveau des cadavres, c'est du truc de base, hein, y a pas d'objet malheureusement. On va regarder ce qu'on a. Pantalon en lin épique, 30 d'armure, 5 de dégâts physiques, du mana, de la résistance, du mouvement, ok. Une autre arbalète. Ou des greffes de paladin. Bon, Shobichi va garder la précision. 2 de garde, 4 de dégâts, 6 de résistance, ouais. Le pantalon de lin paraît le plus utile, même si esquive et armure, c'est pas forcément, ça va pas forcément super bien ensemble. Cela dit, vu qu'on n'a pas la garde épineuse, tanker à l'esquive va être pertinent. Hein. Alors, je pense qu'on va le prendre. De toute façon, on va certainement pas acheter grand chose au magasin. Tout simplement parce qu'il faut qu'on construise nos bâtiments. Donc on va commencer par du puits de mana. Tiens, un petit ici, un petit là. Et une maison. Voilà, parfait. On va commencer par ça. Et ensuite on attaquera les camps de pilleurs et compagnie. Alors les niveaux. De la précision pour Zekino, ouais c'est pas mal. 12% de précision. De la portée de compétence. Alors pourquoi pas. Techniquement, t'as pas de dégâts physiques, donc on va pourrait te mettre. Ouais, on a dit qu'il fallait qu'on te mette un tir d'ailleurs. Donc ouais, on va prendre la portée de compétence. Et au niveau du build, hein, plus de mana, la persévérance, le tri sélectif, encouragement, plus d'armure avec ta régène de vie, bof. Le sprint, ouais. Ça, ça pourrait être pas mal dans le contexte, je pense. Tu vas être notre critiqueur vu comme t'es parti, Zekino. Donc je pense qu'on va te prendre la persévérance pour commencer.
Le critiqueur, c'est celui qui est jamais d'accord, exactement. Alors, Chobiti, plus de vie, bof, de la réduction de résistance, pourquoi pas, plus de critique. Petite réduction de résistance. Et là, plus de mana, plus de mouvement, plus de mana. On a cramé pas mal de mana avec Chobiti. Allez, un peu plus de mana. Oh, deux de portée de compétence, ça c'est fort ça. Avec son arbalète là. Elle a 12 de portée du coup. Un petit gain d'XP. Mouais. Des dégâts de poison. Mouais. Mouais. Bah mouais. Merde. Tant pis. Au moins elle aura une petite régène. Ah, elle a la moisson. La moisson, ça peut être pas mal. La recharge rapide. Ouais, protection des arrières. C'est pas toi qui va tanker, on a dit, hein. Non. Ouais, la moisson, ça reste un must-have. Carburant magique, dégâts augmentés avec le mana. Tant qu'il est pas blessé, 15 d'esquive, 2 de mouvement. Ouais, pas trop. Plus un emplacement de sac, pourquoi pas. On va probablement jouer avec les consommables sur ce run. Par contre, comment ça se fait qu'elle a pris 2 niveaux? Elle a tant de... Non, elle a... Ah, elle a un petit boost d'XP. Je sais pas pourquoi. Est-ce que tous nos héros ont ça? Ouais, tous nos héros ont ça. Je sais pas pourquoi elle a pris autant de niveaux. Mais ça pourrait valoir le coup de la faire travailler sur ça du coup. Ah, c'est peut-être parce qu'elle a tué beaucoup d'ennemis. C'est vrai qu'ils gagnent de l'XP quand ils tuent des ennemis. On va essayer de leur booster un petit peu leur niveau. Alors, Anouche, est-ce qu'on te filerait fatalité? Pourquoi pas? Ça fait quand même gagner un max de trucs, hein, fatalité. Il te faudrait de la survivabilité, donc plutôt pas ça. De l'armure. On va tirer là-dessus, là-dessus, probablement là-dessus. Sur ça, ça et ça, et on va te prendre ça aussi, je pense, à terme. J'ai pas fait le niveau là. Plus de vie. Allez. Oh. Dégâts de poison, opportuniste, inertie, soin reçu. Ok. Alors, ça on le donne à qui du coup? Notre tank, non, c'est du dégât physique. Ah, mais toi on a dit que t'allais pas garder ton truc. On a rien dans le magasin là, une petite arme à la con à distance, un truc. Tiens, une arbalète là. Plus de régène de vie. Arc long en bois. Alors le problème de l'arc long, c'est que au milieu des bois, ça va être hyper tendax à utiliser. Il va falloir une tour. La tour donne, ouais, elle donne de la vision. Donc on le fout dans une tour et il peut défoncer. Ouais, ça me va plutôt bien ça. Toi, tu vas prendre l'arc et c'est. Pas Chobiti, c'est Anouche qui va prendre ça. Et du coup, tu vas prendre le pantalon en lin aussi. Et ça. Ah, mais ça te donne la régène de vie. Ouais. Régène
Résistance, mouvement. Bon, le filet à Chobiti, ce sera important, je pense qu'elle puisse se déplacer facilement pour pouvoir caler ses tirs d'arbalète. Et à nous, ce sera notre tank, mais façon de parler pour l'instant. Alors, il va y avoir un seul assaut sur ce côté-là. Ok, très bien. Ça, j'imagine que ça... Ah, mais ça, ça peut se casser, mais j'imagine que ça bloque la ligne de vue en attendant. C'est ouf comment on peut rien toucher, quoi. Bon. On a des gens qui doivent faire des trucs. Donc ici, déjà, on va restaurer du mana à tout le monde pour rebooster à fond. Parfait. Et on va faire un don. Et un autre don. Voilà. Commencer à booster le mana. Et les constructions. Alors, on veut une tour. Si je me pose ici avec toi. C'est pas mal, hein. T'as quand même une très bonne portée. Ouais, t'as quand même une très belle vision. Et puis bon, on va commencer à travailler sur des balistes. Hein. Alors le problème, c'est qu'il va nous falloir des balistes avec vision quasiment partout, parce que... Encore que là, on a quand même une relative bonne vue. Mais là, ouais, je pense qu'il va falloir qu'on investisse dans les balistes à 80. Donc on va devoir maximiser les matériaux. Bon, on maximisera les matériaux, hein. Alors du coup, comment on va gérer ça? Donc là on a notre copain qui est dans son, qui est planqué dans son truc. Si je me mets là, là il y a des pierres tombales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un peu short. On va reculer un peu. On va te mettre là, Chobiti. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Là ils arrivent en masse. Hein. Sérieux? Oh mais ah, c'est abusé. Bon, on va attendre qu'il se rapproche. Est-ce que je le vois lui? Oui. Là ils sont pas en tas, donc je peux pas leur faire. Je pourrais faire un truc comme ça. Avancer un peu par là. Joli étourdissement. Un peu qu'il y en ait qui sortent quand même. Voilà. Ah, ils sortent hyper en ligne, hein, les salauds. Trois tirs pour le buter, c'est chaud.
Allez, un petit boost de dégâts. Voilà. C'est-à-dire que pour l'instant, on les ralentit correctement. Il va falloir qu'on aille par là-bas pour gérer ce groupe. Et je mets une petite boule de feu, ça fait toujours plaisir. Voilà. Notre baliste a tiré. Attention. Ah putain, il y a un élite là. Griffeur élite, il régénère, ok. On n'a pas d'autre. Je dirais pas. Ça va, on est toi. Hein. Certes, on crame du mana. Mais on nettoie. Putain, comment ils sont costauds. Ça va retourner vers ta tour, toi. Zut. Tape sur les murs, ça y est. Cette saloperie là qui nous coince. Allez, là il y a un bon gros tas des familles. Voilà, ça va ralentir un peu. On peut shooter ce qui reste assez loin. Salut Kazer Zero, bienvenue sur le live, j'espère que ça va bien. À courir après. Ah
Ok, il se déplacera plus. Ça va nous permettre de nous occuper des autres. Parfait, on les a ralentis suffisamment. C'est chaud hein, Anouche elle a plus du tout de mana hein. Fatalité, merde, erreur. Erreur. Attends, si je rentre dans ma tour. Ah, ils sont toujours trop proches. Tuer ces gens à un moment. Il n'y a plus d'armure, on peut se le faire là aussi. Putain, la balise devrait pouvoir se le faire, il avance plus. Oh les lignes de vue quoi. Ok, je vois celui-là. Non. Crame du mana, tant pis, hein. C'est comme ça. Ah, il me reste un point d'action, mais je peux rien en faire. Attention, on va prendre un coup, ça va. Ça pique. Eh bien, c'était facile. Alors oui, mais non. Pas tant. Ah, et en plus, on a que des petits tas de cadavres à chaque fois. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de beau avec notre essence? Bienvenue dans l'oraculum. J'ai vu ton ami changer. Pouah, je vois. Cette sale peste, je parie qu'elle est toujours aussi affreusement ennuyeuse, n'est-ce pas? N'écoute pas cette divagation et donne-moi plus de sens impur. Tu te débrouilles très bien, mon cher. Donc, on continue de travailler sur le portail. Alors, on a eu des niveaux, on a une récompense. XP, dégâts magiques, c'est pas mal, un casque, plus de chances d'étourdissement, ouais, un meilleur arc. 3 d'esquive, 6% d'opportunisme, ouais, c'est pas ouf, on va prendre l'amulette. Par contre, on n'a pas assez pour la voyante à 8 balles près, ça c'est pas cool. Ta spécialité c'est Tirami Khazar Zero, alors avec quoi? Avec les... Peut-être quand tu touches... Comment? Avec la propagation. Ça c'est le grand classique. Malheureusement. Alors, Shobiti, je pense que tu vas prendre l'amulette.
Bah non, pas toi, tu fais pas de dégâts magiques, pardon. C'est Amouche qui va prendre l'amulette. Alors, Amouche, un petit niveau mieux quand même, non peut-être? De la résistance, ouais, de la précision. De la résistance, ça pourrait être pas mal pour un tank, on va la prendre. Ouais, faut faire très gaffe à la propagation, je suis d'accord. Anouche, elle est toujours à renommée, ouais, effectivement. Et elle va prendre du mana parce que mine de rien, elle en claque du mana. Plus de soins, plus d'XP. Ouais. Allez, plus d'XP, non, pas deux fois, ça suffit. Du mana par contre. Alors, protection des arrières, la coagulation, protection des arrières, l'entraînement. Elle a commencé tranquillou à la faire monter. Réduction de résistance, de l'esquive, du mana. La réduction de résistance est pas mal hein, dans le contexte. De l'inertie par contre, non, ça c'est nul. La puissance critique ou de la fiabilité. Ce sera notre critiqueur, on a dit. Donc on va commencer à te monter ta puissance critique. Alors la vision est un peu moins gênante. Et ça, mais par contre, il faut que tu utilises du mana. Après, t'en utilises du mana, mais c'est vrai qu'elles sont assez peu chères les compétences. Mais t'en as quand même pas mal fait de l'explosion de glace, donc on va prendre ça. C'est moi qui ai mis les petites dagues, ouais. C'est une feature pour pouvoir planifier tes persos. Chobiti, de l'esquive. Ouais. Non. Tant pis. Faut que j'arrive à me souvenir. Les bulles de change entre les villes. C'est une nouvelle Chobiti. C'est une nouvelle Chobiti, Elle a pas la exactement. même tronche. Encore de la portée de compétence, c'est peut-être un peu abusé. Par contre, les dégâts à distance, ils sont pas mal. Bon, l'esquive, ça servira toujours. Hein. Toujours un moment où elle se prendra un coup. Alors ça, c'est pas une priorité, par contre. Enfin, on va le prendre, mais pas tout de suite. Plus d'XP. Alors ça pourquoi pas, la persévérance aussi, pourquoi pas. Allez, chasseur de gros gibier, exploitation de faiblesse, boum, quand une unité est tuée dans une portée de 3, les dégâts superflus sont transférés à toutes les unités adjacentes. Hein, sympa. Je pense qu'on va partir là-dessus. Cramer, avoir des dégâts. Potion de force, un parchemin de missile magique, moins. Bof. On manque un petit peu d'objets sur ce début de run, je trouve. Mais bon. Faut qu'on tue les ennemis plus au même endroit. Donc là, on va avoir deux arrivées. On a toujours que trois héros. Donc, falloir qu'on se protège. Bon là on va commencer à fabriquer du matériau. Et le prochain run, il faut qu'on, enfin la prochaine journée, il faut qu'on fasse la voyante, hein, parce que ça va commencer à devenir très proche là. Alors nos bâtiments gratuits, on peut refaire le mana ici et refaire le mana ici. Et un petit peu de matériaux et je pense qu'on va aussi, voilà, re-remplir le mana. Ça nous offre une nouvelle baliste.
qu'on améliorera au fur et à mesure en baliste en hauteur, mais bon là il a quand même une belle... J'ai un seul mage au centre, non, j'ai pas eu de perte, j'ai simplement eu tellement peu de pertes que j'ai pas encore débloqué d'autres mages. Donc j'ai toujours un cercle à 100 PV. Tout simplement. Alors, qui est le plus à même de gérer tout seul ? Elle, techniquement, entre la fatalité et le parchemin de missile magique, elle devrait pouvoir faire du dégât. En plus, si on la met contre un truc, elle a son bonus d'armure. Si on a Zikino qui couvre même un petit peu par là si besoin. C'est un peu short, toi tu vas te mettre par ici plutôt. Ok, on va voir si on peut s'en tirer comme ça. Ok, il arrive plutôt par là. Du coup, ça va être à toi de jouer en première pour voir ce que tu peux toucher. Bon, c'est pas grave. Toi, du coup, va falloir que tu sortes de ta tour, ouais. On est d'accord. Il y a ces foutus arbres là. Alors, est-ce qu'on peut avoir une vision peut-être ici? Non, il y a le rocher. Oh la vache quoi, c'est, ça va être ça la difficulté de cette zone hein, clairement. Bon, toi tu vas prendre un petit bonus d'esquive au cas où ils sortent, et à nous. Allez Chobiti, c'est pas le moment de te remettre à rater là. Ok, bah écoute, reste là pour l'instant. Est-ce que ça vaut le coup? Non, on voit personne. Malheureusement, on a beaucoup trop de points d'action là, mais ils sont vraiment apparus hyper loin. Ouais, j'ai aucun doute quoi, qu'ils vont... Il va y avoir du monde à tuer. Je m'inquiète pas, outre mesure. Alors si je vais jusqu'ici... Un truc comme ça déjà. Ah, je le vois pas lui. Sérieusement. Alors là par contre, je vois. Oh. Et un. Pas d'esquive. Mais c'est pas utile, on fait 146 à 211 et 73, ah, ça fait quand même pas mal de dégâts en plus. On va les ralentir faute de les tuer hein. Ils sont bien mis en tas. Très bien. Voilà. Le truc qui se transforme en souche, donc c'est plutôt légitime. Alors lui, il faut le tuer maintenant qu'on a pété son armure. Allez. Non, et merde. C'est fait nettoyer. C'est chaud hein.
Oh, on rate. Ah, puis il y en a deux petits qui se faufilent par là. Putain, on n'arrive pas à tuer quoi. Faire chier. Joli. Là on va pas hésiter à faire une grosse attaque, on l'a raté lui sérieusement. Alors là ils peuvent rentrer hein. Oh, tellement peu de dégâts. Abusé. Il en reste 53. Oh non, c'était nul ça. Déjà plus de points. S'approche suffisamment, là ils sont pas bien placés. Allez, il faut tuer là. Oh allez là. Oh non mais choupiti, tu peux aller caler un coup de lance après ici. Mets ton coup de lance. Si on continue de stun un peu. Là on est pas mal là. Voilà. À nous. Putain, c'est chaud.
chaud, c'est chaud. Allez, faut arrêter de rater là. Allez, rate pas. Oh putain! Non mais sérieusement! C'est un truc de fou. C'est quoi ces tirs de piou-piou? Une blague? Non, on va pas réussir à avoir le passage. Ouais. Ça c'est parfait, ça rate jamais. Là par contre, waouh, elle est tendue du string cette zone, dis donc. Ok, on a réussi à avoir l'objet quand même, mais genre pile poil hein. Ah, et on a quand même on commence à avoir quelques cadavres intéressants. Maintenant que je peux te voir, peux-tu me dire ton nom? Une récompense bien méritée, bien sûr mon cher. À travers les âges et les sphères astrales, on m'a donné et on me donnera de nombreux noms. Mais tu peux m'appeler Shadon. Ok, on a bientôt le téléportail. Et après, on verra ce qu'on ira chercher, mais... Présage de vigueur, tous les héros ont plus 100 points d'action, 15 000, waouh. Ça pique. Alors ici, deux objets on prend, et ici, un objet on prend. Elle est hyper tendue à tenir hein, cette zone. On veut la voyante. Il va nous falloir assez rapidement la taverne, mais pour l'instant on veut la voyante. Ici. On enferme un peu la tour, mais... c'est peut-être un peu proche d'ailleurs, mais bon, tant pis, hein, on va faire avec ce qu'on peut. Alors, les objets. Opportuniste étourdissement, un chapeau de cuir. Oh, plus un point d'action, on se pose pas de questions, on prend. 22 d'armure, 9 de mana, 3 de dégâts à distance, du poison, de la fiabilité. L'isolation, c'est pas mal. Un couronne maudite, moins d'XP, bof, une lance. Ok, les bottes. Un point d'action. Moi je me pose même pas la question, quand je vois un point d'action, je prends un arc court, hein. Ouais, pourquoi pas pour Chobiti, diversifier un peu ses attaques. Sinon le dégât à distance qui donne du mouvement et de l'esquive, il est pas mal, on va prendre ça. Alors un casque. La puissance critique du dégât, de la vie. Ok, une arbalète de points. Un petit bâton druidique pour commencer à mettre du poison. Et on a personne qui a de bulles de poison. Hein.
Si. Anouche, elle pourrait prendre le bâton. Même si pour l'instant elle est plutôt au cac. Échange d'étourdissement. Ouais, l'opportuniste ça va bien du coup avec le bâton lui-même, puisque son attaque est basée sur l'opportunisme. Sinon, un casque. Il est un petit peu diversifié, mais ouais, allez, on va prendre le casque. Alors, 44 d'armure de la vie, c'est pour toi. Du dégât de poison, de l'armure, du dégât à distance, c'est pas pour toi. Plutôt pour toi. Et le cache-œil, c'est un casque, hein. Un petit point d'action et le mouvement des dégâts à distance. Zikino, il en a sa tour, il a pas besoin de ça. Par contre, Anouche, un petit peu plus de vie et de mouvement, je pense que ça lui ferait bien plaisir. Zekino, il va prendre le petit bonus de critique et de vie, accessoirement. Voyons les niveaux. De la vie pour Zekino, non. De l'esquive, non. La réduction de résistance ou de dégâts flat, plutôt du dégât du coup. Et de la fiabilité, très bien. Alors, tous les deux ennemis touchés, la vision. Alors, vu que t'es dans ta tour, peut-être que c'est pas si utile. Ça, moins on a de mana, mieux ça marche. On va prendre le premier sang, je pense. C'est vrai que sur sa tour, il a quand même tendance à essayer de sniper un peu les ennemis, alors plus de chances de critiquer. C'est pas dégueu. Chobiti, est-ce qu'on lui booste sa précision? Magie de son nom. Loup solitaire. Ça aurait fait plaisir, loup solitaire, dans ce contexte. On a tendance à courir partout dans cette ville, les héros. Oh oui. 60% de dégâts au niveau 5, c'est pas mal, hein. Encore plus de mana, encore plus de dégâts à distance. Encore plus de dégâts à distance. Et un mouche, un gros boost de critique, mais c'est pas ton triple critique malheureusement. Ah, bon, la précision, c'est toujours utile. Toi tu crames du mana par contre, hein. Il faudrait une bonne régène de mana. Une bonne régène de vie aussi, parce que t'es censé tanker un peu, on va plutôt prendre la régène de vie. Pour l'instant, je me sens pas trop de te mettre au corps à corps. Mais ça pourrait venir. Je pense qu'on va te donner ça parce que c'est ça va bien. Tu vas être assez proche des ennemis et pouvoir avoir vision, ça va quand même bien aider. T'es pas là pour vraiment tanker en étant faite pour te faire taper. Parce qu'on n'a pas le contre-épineux, donc on n'a aucun intérêt à se faire taper en vrai. Mais par contre, t'es proche des ennemis. Tu peux encaisser des coups et t'es proche des ennemis. Donc un petit troisième œil. J'aime bien l'idée. On va se faire une autre maison.
Et avec la voyante. On va révéler la direction des ennemis. Ok, grosse flèche ici, grosse flèche ici, grosse flèche ici. Ils vont être chacun sur un flanc, les héros, cette fois. Il va falloir qu'on fasse la taverne, mais genre. Genre bientôt, quoi. Alors, attends, il y a une porte là. Aussi améliorer un peu les murs. Parce qu'ils se font tellement dépouiller, les pauvres murs. Alors là, la vague, le problème c'est qu'elle va arriver, mais de tous les côtés. Ok, on a juste ce qu'il faut pour améliorer ça. Commencer à poser des petites barricades pour les occuper. Ça va être full clos. Ça va être full clos. Mais on va arrêter l'épisode de VOD là, puisqu'il est suffisamment long. J'espère que cet épisode vous a plu. Il y a de l'action, hein. Il y a de l'action. Elle est sympathique cette zone. On est sur une nuit qui va être à peu près calme là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas du coup à laisser un petit commentaire, à dire ce que vous en avez pensé. On va se dire à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde.